Hey, bonjour à toutes et à tous, ici Tatsu, et bienvenue chers amis pour notre sixième épisode de... Cinquième, sixième, oh, je sais plus, de Workshop Simulator, le très très joli petit jeu où Tatsu il fait semblant de travailler, et c'est bien sympathique. On restaure de vieux objets insolites, si l'on puis dire. Je rappelle que nous sommes toujours chez papy et mamie, que papy bah, il est toujours enterré juste à côté. Mamie, bon bah apparemment, toujours pas. Mais on va attendre encore un petit peu, hein, avant d'hériter de la baraque, quand même, hein, et puis avant de tout raser, et puis refaire un truc à peu près correct, parce que quand même, c'est dégueulasse, hein, le mec horrible, non, mais absolument charmante, cette petite propriété. Il n'y a plus de musique du tout, il n'y a que moi qui parle. Oh, il y a des pommes par terre, des bonnes pommes, elles ont l'air vachement bonnes. Bon, bah, la dernière fois, on ne s'est pas spoilé. Voilà, évidemment, Tatsu, il a un petit peu de travail en ce moment, donc forcément, c'est loin, le problème c'est que c'est loin, voilà, le problème c'est que c'est pas tout près, mais voilà. Ouais, donc empty, it's empty, take all, but it's empty, ok. What a hake. Qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on branlouille là? Ah d'accord, oui, c'est vrai, alors donc il y a une lampe à huile, elle est charmante, hein, et une espèce de canne à pêche. Je sais pas si charmant que ça. Donc ça fait 60 balles. 55 balles, dis donc. On a un peu de pognon ou pas? Au niveau du... Attends, closette. Close this one. Par exemple, bon... J'ai déjà 75 balles. Si je fais les deux là, je pourrais débloquer... La peinture. Attends, enlève le... Sur eux. La peinture, il nous faut la peinture. C'est très long de peindre. Au niveau du ponçage, là, apparemment, on a débloqué la... Directement la disqueuse. Ouais, je sais pas si on débloque ça. Bah non, alors du coup, on l'a jamais débloqué, là, l'électrolyse. Enfin, bon, bref. Allez, c'est parti. On fait plouf, plouf, une poule sur un mur. Allez, on prend la lampe à huile. 55 balles, la petite lampe à huile. Oh! Et charmante. Alors, il y a des gens qui collectionnent ce genre de petites lampes absolument délicieuses qui sont un vrai témoignage du passé de quand on n'avait pas d'électricité. Voilà, tout simplement... Bah, le bouchon, moi, tu pourrais l'enlever, non? Attends. Le bouchon, alors ça, c'est pour... En fait, tu mets de l'huile là-dedans. De l'huile. Du pétrole, un genre de pétrole d'huile. Enfin, bon, je sais pas trop exactement le pourquoi du commun. Ça s'appelle de l'huile de lampe, il me semble. Dedans, t'as une mèche qui trempe dans l'huile. Et par effet de capillarisation, l'huile remonte dans la mèche. Tu y mets le feu et tu refermes le schmilblick. Et normalement, donc c'est pour ça que ça s'enlève. C'est pour ça que ça s'enlève, ça s'enlève, ça apparemment, bon, bah, ça s'enlève aussi. Ça c'est le haut, et hop là, celui-là il est un peu pété quand même. Bon, et puis donc ça c'est le petit brûleur. Ah, c'est vraiment rien de compliqué, mais c'est bien pratique. Hein. On n'avait pas d'électricité. Fut un temps lointain, très très lointain, que même Tatsu, aussi vieux qu'il soit, n'a pas connu. Ok, donc ça c'est des petits clous. T'entends la musique ou pas? Ok. Ah bah... Bon, ça va être rapide, dis donc. Allez. Bah non, puisque j'ai ça maintenant. Je peux passer un grand coup de nettoyage dedans. Et c'est vrai qu'il faut faire ça comme ça, et ça comme ça. Quand un tout petit peu, aïe, un peu sur le côté, là, sur le dessus. Ok. Gros morceau, là, gros morceau. Et vous voyez, il y a un petit effet du mouillé dessus. Bon, ça, c'est un peu dommage, mais bon. Et on va le retourner. Ah, voilà, c'est le jeu de la détente, hein. C'est le jeu où Tatsu fait semblant de travailler, où tu rénoves d'anciens schmurtes. Tu vois, en dessous c'était sale, et maintenant ça l'est plus. Tatsu est content. Il m'en fout peu, je suis désolé. Et voilà. Petit bouchon là.
comme mes petits chiens, je les appelle mes petits bouchons, c'est très intéressant. Ok. Alors c'est... apparemment certains ont transformé ces vieilles lampes à huile en lampes, en les électrifiant, en mettant une petite ampoule dedans. Tout est possible, et ben ça fait des petits décors, quoi. Non? Ouais, bien sûr. Alors par contre, là, il a l'air tout pété, ce vitrage-là, ce petit... ce petit verre, attends. Hop là, ouais, on va essayer de laver à l'intérieur, c'est possible ou pas? Est-ce possible ou pas? Oh là, je vois rien, je vois rien. Je vois rien, excusez-moi de demander pardon, je vois rien. Ah d'accord, ça y est, c'est tout propre. Ok. Alors sur le principe, il faut vraiment rester dessus avec la petite pointe. Petite pointe qui est ici et... Ok. Bon bah voilà, c'est tout beau, tout propre. Bon, ça c'est une sableuse. Pas maintenant, la peinture, si déjà. Ça c'est une disqueuse, hein, c'est n'importe quoi. Mais avec un tour, et une brosse, et bah tu peux tout aussi bien enlever toute la peinture en y allant vraiment, vraiment très, très doucement. Bon, il y a eu un petit bleu clair là-dessus. Ouais, peut-être même un petit bleu foncé, mais... On va la repeindre en bleu. Histoire de respecter le classicisme. C'est compliqué à dire. Le classicisme. Alors vous connaissez la chanson. Ah bah non mais c'est bon. Vous connaissez la chanson. On fait les deux ensemble. Et après, bah, je vous mettrai une petite musique. Petite musique, là, qui fait plaisir. Avec, évidemment... alors, je sais pas, la dernière fois pour... comment dire, la caisse enregistreuse, là, ça a duré plus d'une heure et demie. Plus d'une heure et demie. Donc, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il va me faire faire. Mais, il faut mettre un petit time-lapse, hein. Petit time-lapse, là. On s'avance dans le jeu. Ah, bah, voilà. Ok, allons-y, ça va être rapide. Mais je pense que ce sera bien plus rapide quand j'aurai la peinture. Parce que c'est ce qu'il y a de plus chiant. Voilà, on va mettre ce petit bleu léger. Et puis le petit... Quand il s'arrête, là, ça me rend dingue. Oh, ça me rend dingue. Arrête de t'arrêter! Arrête de t'arrêter. Ah, il y a quelque chose d'écrit. Luc. Luxe. Ok. Ah, c'est bien ce petit bleu léger là, comme ça, c'est très bien. Et voilà, il est beau. Est-ce que je fais pas le reste en rouge, histoire de donner un petit peu de contraste, hein, qu'en pensez-vous, chers amis? Pas faire tout en monocouleur, quand même. Ok. Les parties les plus chaudes seront en rouge. Et voilà. Et voir ce que ça donne une fois monté. Alors, hop là. Oui, alors, pardon, excuse-moi, mais... Ah. Que tu... Oui, non, c'est par là. Le petit clou. Ok.
Ok, donc ça permet d'augmenter la densité de la flamme. Comment ça marche? Étant donné que c'est une mèche qui est à l'intérieur, tout ça, je suis pas sûr. Bah, c'est pas mal. Bicolore là, comme ça, c'est pas mal. Puis évidemment, alors c'est soit en acier, soit en. Bah voilà. Et très très beau, très très jolie cette petite lampe là, regarde-moi ça, on a bien travaillé, hein. Elle est superbe, elle est superbe. Ouais, tu peux me laisser, voilà, comme ça, merci. Bon bah magnifique, merveilleux, merveilleux, je vais faire voir l'autre. On va pas tout de suite. La canne à pêche, alors franchement, c'est la première fois que je vois une canne à pêche qui ressemble à une scie. Ah, mais il paraît que c'est pas une perceuse, hein, un truc dans le genre. C'était sans doute marqué. Ah! Disassemble workshop. Ah, mais c'est peut-être une perceuse, tiens. Peut-être une perceuse. C'est comme le machin. Oui, non, mais un truc à pointer, quoi. Genre de perceuse, je pense. Hein. Ah, oui, d'accord, ouais. Genre de perceuse. Ok. Donc, ça, on enlève. Ça, on enlève. Les quatre petites vis, là, bien sûr. Alors, par contre, il faudrait enlever ça, mais ça, il faut la clé. Enlever la poignée, la rondelle, hop là. Alors, d'accord. Ok, une fois ça, c'est enlevé, la petite bague. Voilà, une fois que la poignée est enlevée, on peut enlever la dernière vis et ouvrir le bistou. Mouais. Oh, il y en a des. Y en a de la merdouille là-dedans, hein. Attends, est-ce que c'est une. Oui. Ah, ok. Bougez pas, Tatsu gère. Ok. Là, c'est bon. Non, c'est juste des rivets. Ah, oui, d'accord. Bah, c'est les cages. On appelle ça des cages, en fait. Quand t'as une vis, bah, il faut bien la visser quelque part, tout simplement, tout simplement. Alors. D'accord, la poignée en bois qui est retenue là. Et là aussi. Tu veux pas enlever la poignée? Si, si, bien sûr que si. Il est très très bien fait cet objet. Hein. Il est extrêmement bien fait de sa personne. Ok. Alors je comprends pas tout à fait comment ça marche exactement. Oh ouais. Well. Tiens, une espèce de flingue, c'est bizarre ça. C'est marrant ce système avec ce petit truc qui. Je comprends pas. Je comprends pas. Bon, alors, évidemment, le petit truc secret, c'est d'appuyer sur Alt pour savoir exactement où tu dois. Dévisser ce que c'est. Oh, mais tu peux faire ça, oui, normalement tu peux pas faire ça. Normalement tu peux pas faire ça comme ça, c'est pas possible. Donc il faut les voir. Ok, ça c'est fait. Ok, le système a été entièrement enlevé, ça aussi. Eh bah ben, ça aussi. Bah merci, monsieur, dame. C'est bien, ça va pas prendre trop de temps, les objets ils sont pas trop grands. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais encore une fois, j'oublie. Attends, ça a coûté 175 balles. Faut pas déconner. Oui, alors tu regardes, tu pourrais juste faire ça comme ça. Mais non. Bon, bref. Un petit peu sur le dessus. Et voilà. Et voilà, encore plein de petites bestioles. Qu'est-ce qu'il raconte à tout? Il a peut-être pas fatigué. Ah, voilà. La poignée en bois, on va peut-être la poncer et la repeindre, celle-ci. Pas sûr qu'il repeigne tout, hein. C'est ça le schmilblick. La petite goupille. Pas sûr qu'il repeigne tout, et tant mieux d'ailleurs, peut-être le.
l'extérieur du boîtier. Nickel. Ah, sur une petite pièce comme ça va vite, OMG. Et voilà. Pim! Oh, j'adore ce petit pim là, ça fait tellement tellement plaisir. Tellement tellement du bonheur à entendre. Fait que t'as bien travaillé, que t'as bien tout fait. Alors j'ai vu les images de. Ah, Ghostwire, Tokyo. Oh là, il a l'air trop cool. Cette petite plongée dans Tokyo, mazette! Ah, j'espère que quand le jeu il arrivera, on va pouvoir se faire un petit. Comment dire, un petit live. J'ai très très envie d'y jouer, je vous le cache pas. Ah oui, bon, ça y est, c'est fini depuis longtemps. Très très envie. Et évidemment, évidemment, les consoleux, c'est sur PS5, vont l'avoir en prio, bien sûr. Il faut que. Bah, ah, OMG. On l'avoir en prio, bien sûr. Mais ouais, le jeu est superbe. Petite plongée là dans Tokyo. Rappelle beaucoup Death Stranding. Et il y a aussi un petit côté. Oh, comment il s'appelle déjà? Un petit côté possession à la cyberpunk. Ah, c'est sûr, c'est quand j'ai du boulot que j'ai plus envie de jouer, c'est incroyable. Ah. Tourne-toi. Alors ça, c'est un petit objet. Compliqué de rester dessus. Voilà. Ok, petite goupille encore, on passe à la peinture au. Et voilà. Voyons voir. Voyons voir. Petite disqueuse là, ce qui fait aucun sens. Aucun sens. On enlève la saloperie. Avec la couleur du bois qui revient, ça c'est quand même appréciable. Ok. La poignée. Faut être fou pour jouer à ça. Hein. Faut être fou pour jouer à ça, faut être fou pour regarder ce let's play. Ok, non, hop là. Bon après, si on peut zoomer et voir le métal revenir à la vie. Ouais, alors ça fait aucun sens, il aurait fallu tout démonter avant. Hein. Parce qu'il y a bien 4 pièces, 5 pièces emboîtées. Je sais pas, il nous fait cadeau le jeu. TKT bro, c'est pas grave, vas-y. Wow, notre machine à peinture vachement facilement. Ok, on va essayer. Il y a plein de sens à ce. On va faire ça comme ça, regarde. Hop là. Ah oui, donc l'intérieur aussi, évidemment. Nickel. Chose. Petite goupille. Ah, oh, faut bien rester dessus, OMG. Ça doit être passionnant à regarder, en tout cas, vous aimez bien. Ok. Travail de précision, bien sûr, le filetage. Ok. Ok.
Là, tu es concentré, là, il saigne du nez hein, pour faire bien les choses. Parce que là, tu vois pas très bien où c'est que tu passes, et où c'est que c'est beau, où c'est que c'est chaud à l'hippo. C'est à peine. Oui, bah, c'est fini, calme-toi, calme-toi. Ah, petit. Vas-y. Ok. Ah, des petites pièces, ça. C'est pas très difficile. Mais c'est tout piti piti. Right. Attends, bouge pas. Et voilà. Ok. On est over? Oui, on est over. Allez! Temps de peindre tout ça en rouge. Tatsu, il aime le rouge. Peignons ça en rouge. Donc, il n'y a que la poignée. Non, en rouge, j'ai dit. En rouge? Je dis qu'il n'y a que la poignée qui allait être payée. Paye, je parle du nez. Alors, il y a un nouveau trailer pour Idol qui devrait arriver incessamment sous peu. Je vous cache pas que j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup mettre la main dessus. Bon, bah voilà, c'est fait. Mais ça fait très très longtemps qu'on l'attend, Idol. Bah, oh, la petite goupille qui est restée là. Ok. Allons-y. Bon bah voilà, tout le mécanisme se met en place tout seul. Bon, je sais pas, il me faut la clé. Est-ce que tu veux que je puisse le voir derrière le une petite frame hein? Ah, t'en bouge pas, hop là. Si tu veux, c'est des... Ouais. Voilà, il a mis les cages derrière. Mis la poignée, oui, mais d'accord, si tu veux, si tu veux. Et après, il a mis des vis mécaniques dessus. C'est bien foutu. Hein. L'intégrité des objets est vraiment, vraiment très, très bien respectée. Ça, c'est vraiment très, très plaisant pour quelqu'un qui s'y connaît en mécanique comme de comme votre serviteur. Bien sûr, bien sûr. Ah, oui, ici aussi. C'est marrant, c'est un forêt, un point, tout. Ah oui, d'accord. Ça, c'est le... oui, tourne-toi, tourne-toi. Excusez-moi, peu pardon. Voilà. Allez, d'accord. Tu veux pas resserrer les autres vis, non? D'accord. Ok, puis là, il va falloir la petite clé. Oh, on va pouvoir voir notre machine, notre cabine à peinture. Tatsu, il cote-t'en. Il cote-là, Tatsu. Drôlement cote-t'en. Eh ben voilà, une petite perceuse à manuel. Appelons ça une perceuse manuelle. Et voilà. Allons claim notre pognon. Et voyons voir un petit peu ce qui nous attend. Hop là, ça c'est fait. Donne-le l'argent. Donne-le l'argent. Yeah. Non, attends, oui, c'est vrai. Tu veux que je... Allez, end the day. Et puis après, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Non, 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 non. Hop là. Ah, attends. Super, on a de l'argent. Request. Bumpers? Qu'est-ce que c'est que ça, un bumper? Écoutez, je me spoile pas. Et je vais voir exactement. Mais avant tout, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, mais je suppute. Que ce sera plus... Oh là là. Il y a encore la cabine, la petite bombe. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Bon, il est où ton truc, là? Oui. Ah! Le flipper! OMG, tu veux que je refasse tout le flipper? Mais non, mais il y a plein de dessins dessus qu'on n'aura plus... Oh, ça c'est horrible! Mais il va être tout monochrome ton truc là!
Qu'est-ce que je fasse avec? Ah, up to use. Oui? Ah oui, on commence direct. Ah ouais, bah il est là. Waouh! Ah d'accord, c'est un des pinball bumpers. D'accord, c'est un des trucs là. Bon, c'est pas énorme ça. Bon, c'est un tout petit machin, non? Bon, c'est un tout petit truc. J'ai eu peur, hein. Pardonnez-moi, j'ai eu peur, hein, mais bon, il doit y avoir des milliers de pièces, ça, si tu veux tout refaire, alors bon, évidemment, je peux tout refaire, la seule chose, c'est ça va me prendre 3 heures, quoi, c'est tout, et encore. Une petite goupille, mais c'est un petit moteur électrique qui... Donc, si je comprends bien, c'est un petit moteur électrique qui donne des impulsions avec un... Avec un, comment dire, un... Un petit, comment on dit, un petit piston, un petit frappeur. Ok, on va prendre, faire ça comme ça. C'est vraiment, vraiment pas grand-chose, c'est marrant ça. Dans celui qui est derrière. Ok. Maintenant ça s'enlève. Attendez, pardon, j'ai un petit peu de mal à le tourner comme d'habitude, ça on en a déjà parlé. Ok, alors j'évite d'appuyer sur le truc à indice. Ouais, mais en fait ça va, c'est pas trop trop compliqué, c'est sûr. Voilà un petit. Bah voilà. Il est vite dévissé, hein. C'est vite dévissé. Bon bah, ce serait peut-être très courte cette petite vidéo là. Ce serait peut-être même excessivement courte. On va peut-être juste découvrir notre petite machine. Bon. Marrant, est-ce qu'il veut me faire faire petit bout par petit bout? Non, mais ça, c'est une bonne question, hein. Est-ce que tu vas me faire faire tout le flipper petit bout par petit bout? Ah c'est... Tu vois, regarde ça, faut même pas le repeindre. Il est déjà tout beau, tout propre. Et puis même celui-là, s'il est bien lavé, regarde, il est déjà tout beau, tout bleu. On va le laisser en bleu comme ça. Il est tout jaune, non mais c'est bien. Faut pas le repeindre, hein. Tu vois qu'on va même pas l'utiliser la cabine de peinture. On va même pas l'utiliser. Tant mieux, tu me diras. Ah si, peut-être. Ouais, j'en sais rien. On verra, on verra, on verra. Ça, au moins, il faut le décaper, il faut le poncer. Ok, on est over 10 sur 10. Tout petite pièce, hein. Bon, voilà, qu'est-ce que je disais? Il n'y a pas grand-chose à décaper. Pas grand chose, pas grand chose. Ah oui, on va peut-être tourner de ce côté-là. Ok. Bien. J'essaie de faire de l'ASMR. Vous entendez le bruit de la meuleuse? Vous entendez le doux bruit de la meuleuse? Un homme qui fait semblant de travailler. 4 sur 5. Ben voilà. Bon, il ne va pas y avoir beaucoup de pièces à peindre. Bah, pas du tout. Aucune pièce à peindre. Super, ça a été rapide.
Oui, en plus, donc la cabine dans le cululu. Bon, pour le prochain, quoi. Hop là, bouge un petit peu. Voilà. Alors. Et voilà. Me demande bien si c'est pas un électro-aimant. Enfin bon, bref, comment ça marche exactement? Ouais, non, c'est peut-être un électro-aimant qui pousse et qui attire une pièce aimantée, en fait, tout simplement. Un électro-aimant, ouais, c'est ça. Un petit moteur électrique qui se met en marche et qui pousse et qui attire une pièce. Je pense que ça marche comme ça. Pour taper. Tati a dit, il faut pas taper. Et ça. Alors, hop là. Et ben voilà, il est tout beau, tout propre, tout neuf. Oh, c'est appréciable. C'est appréciable. Bon, qu'est-ce que je fais du coup? On en est où? Tu l'as remis dedans? C'est un de ceux-là? C'était lequel, le bleu? Il était bleu? Je sais plus. Bon bah, je passe une journée, hein. End of the day, hein. Back. Comme Jean-Sébastien, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Bon, bah, a-t-on d'autres projets? Oui, on a deux autres projets. Alors maintenant, the question is, est-ce qu'on s'arrête ici? Ou alors, est-ce qu'on continue? Notice de question, je sais pas du tout ce que c'est. Ça fera une petite vidéo. Petite vidéo sympathique pour demain. Pas trop longue à voir, parce que je fais que des longues vidéos extrêmement longues. Beaucoup, beaucoup trop longues. Chers amis, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, on va faire un petit tour, voilà. Mais pas pour une fois, ça fait une petite vidéo, et il n'y a même pas besoin de faire un petit time-lapse. Voilà. Voilà, on ne sait pas ce qu'il y aura pour demain, on n'en a aucune idée. Voilà, on peut juste aller voir les petits tournesols. Pourquoi il a enfermé les tournesols? Pourquoi il y a un marteau là? Oh, tellement, tellement de questions en suspens. Enfin bon, bref, chers amis, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette petite vidéo. Enfin petite, à mon avis, si elle fait 40 minutes, c'est déjà bien, quoi. Comme d'habitude, Tatsu, il n'a pas le sens des réalités. Gros pouce bleu, gros abonnement, gros bisous, on se spoile pas, on continue la série, bien évidemment. Tchou tchou bye bye, à la prochaine.